Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer les emplacements et la résolution des énigmes des 14 tombeaux qui sont présents sur la map. Alors, avant de rentrer dans le détail de chaque tombeau, je vais déjà tous vous les présenter. Comme ça, si vous voulez pas être spoilé de ce qu'il y a à l'intérieur, vous saurez au moins où ils se situent. On va commencer donc au niveau du désert de Tesseré. Voilà le premier, Set Anat. Ensuite, un petit peu plus au nord, on va trouver le tombeau du Cynique. Dans la région de Nomé Douab. Ensuite, on continue vers le nord, dans la région Oasis, non, Nomé Daoeris. Donc, il y a un premier tombeau ici. Après. Un nid d'aigle, tombeau d'Amenemhat 3. Descendre par ici. Tombeau de Smeker, toujours dans la même région. Ensuite, dans la région du désert noir, Black Desert, vous avez le tombeau du Nomarque. On va continuer à remonter. Alors là, normalement, celui-là, vous devez l'avoir parce qu'on le découvre dans la quête principale dans la région de Siwa. C'est le tombeau de la montagne des morts. Désert isolé. Donc, c'est pas très loin du désert noir. Également de dépression de Katara. C'est ici. Toujours dans la même région. Se déplace latéralement. Le tombeau doré. C'est juste en dessous de la faille de Theos Elpi. Ensuite, on revient sur la droite de la map, dans Nomé des Sakara, au niveau d'une pyramide, vous avez le tombeau de Snefru. Vous allez continuer au-dessus. On va trouver le tombeau de Djeser, toujours dans la même région. Continue vers le nord. Changement de région, Gizeh, la plus riche en tombeaux. Non, j'en ai passé un. Tombeau de Mykérinos, donc sur une des plus petites pyramides. Petite entre guillemets, hein. Tombeau de Képren. Alors, pas mal de ces tombeaux sont accessibles lors de missions. D'ailleurs, moi, vous le verrez, c'est dans le cadre de missions que je les ai trouvés. Continue. Tombeau de Khéops. Et enfin la dernière, on va se décaler sur la droite. Tombeau de l'adorateur de Thoth que l'on peut découvrir dans le cadre d'une mission annexe. Donc voilà pour les 14 emplacements. Maintenant, place à l'action. Zone d'exploration. D'accord, on a découvert un nouveau lieu, trouver la tablette ancienne. Ouais. Shendira se cache dans la montagne des morts de Siwa. Qu'est-ce qu'on a là? Minotep le grand, pas plutôt Minotep le minable, impossible d'atteindre toutes les idoles dont je sais qu'elles sont ici. J'ai brisé un de ces maudits murs, mais les scarabées sont redoutables et reviendraient avec de quoi tuer tous ces insectes. Et merci de ton maudit conseil, Anem. D'accord.
passer par là. Récupérer des pièces, qu'est-ce qu'on a ici? Teti, fils de Minotep, le souverain se tiendra à nos côtés dans l'autre monde. Tu seras aimé d'Amon, le dieu qui se manifeste, le seigneur des beautés. Putain, il y en a des trucs à prendre un peu partout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Shenzira, reste où tu es. Je viens te chercher. Payek, c'est toi ? Tu es revenu ? Eh ouais, mon gars. Non. Pas comme ça qu'on... D'accord, je peux casser même avec ma lampe torche. Pas besoin de changer mon arme. Ah. Non. D'accord, ici c'est un cul-de-sac. Comment Shenzira a pu passer par ici? Ah d'accord, ok. Lâche un petit. Casser ça. C'est assez bizarre là, l'interaction. Je comprends pas trop. Je sais pas, on est sur le côté. Ouais, voilà, c'est tout de suite plus simple. Ça c'est bizarre. Ici, on pourra déplacer. Agathoclea, mère de Teti, épouse de Minotep, le visage d'Agathoclea, putain ça va être compliqué hein, les noms, est tel que celui d'Upuaou, lorsqu'il s'élève vers le ciel, les yeux, bon je vais pas le dire, hein, d'Aga, on va dire, d'Agathe, sont comme ceux du grand qui est le chef des âmes d'Helio. Police, puisse son rayonnement triompher dans l'autre monde. Ouais, ça va être compliqué les noms égyptiens. Et puis j'ai pas fait un tour sur Wikipédia pour m'habituer, donc. Non. Qu'est-ce qu'on a là? Arc de chasseur, niveau 2, ça c'est cool. Tei, tu es le grand chat, le vengeur des dieux, celui aux yeux d'émeraude qui a marché par lui-même. Tu as reçu autorité sur le domaine des souris et des rats qui ont volé notre grain et tu as décrété que nous ne mourrions pas de faim. Puisse la vermine être nombreuse sur ton chemin dans les champs de roseaux. Ok. Dans le noir, non. D'accord. On a pris ce qu'il y avait à prendre par contre. Putain, mais. Des trucs, je vais en oublier. Hein. C'est frustrant, moi, j'aime bien tout prendre. Par contre, on a gagné un nouvel arc. On va se le prendre. Tac, niveau 2. Je sens que ça va crafter. Alors, trouver la tablette ancienne, hein. Il y a toujours ça en plus de la quête principale. Shenzira, tu n'as rien ? Je
N'en reviens pas, tu es de retour. Tu ne devrais pas être là. Je me cache des hyènes. Mais Nuku m'a tout raconté. Peut-être ça, l'internet. Prendre des risques, ça ne te suffit pas? Il faut aussi que tu mettes ton petit frère en danger. Mais... depuis que Kemu... Ça va, je comprends. Viens, je vais t'emmener ailleurs. Bayek, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien le savoir. Il doit être ancien. Un jour, j'apprendrai à lire ce qui est écrit. Par où tu es entré? Par là, mais c'est là que sont les hyènes. Bayek, je voudrais te dire... Qu'est-ce qu'il y a, tu me diras? Pour Kemu, c'est ma faute. Ils ont demandé où tu étais, et j'ai pas pensé que ça allait tourner mal si je leur... C'est lui qui a balancé. Ne t'en fais pas, Genzira. Je pouvais pas deviner ce qu'ils allaient faire. À ta place, n'importe qui aurait fait la même chose. Si tu le dis... Amon accueille Minotep car il était possédé d'un cœur divin bienveillant envers les dieux. Il a donné au temple de l'or en grande quantité, des émeraudes en grande quantité et du grain en grande quantité. Il nous a guidés et offert de très généreux cadeaux spirituels afin d'assurer la prospérité de Siwa et de faire progresser Tamert. Alors, tech. C'est Noël. Il y a plein de cadeaux au pied du sapin. Qu'est-ce qu'on a là? Encore des pièces. 138 et un arc. Putain, par contre, les disons, ils sont généreux. Hein. Ils sont extrêmement généreux. Par contre, j'ai peur qu'il va falloir... Je vais être sans arrêt en train de changer mon stuff. Tac. On pourra détruire ce qu'on récupère alors. Qu'est-ce que c'est? De vieilles écritures de l'ancien royaume. Trouver la tablette, yes. Un point d'aptitude. Qui ose entrer ici, où le silence est de rigueur pour elle? Un Medjay qui a gravi bien des dunes pour te trouver. Tu peux te cacher, Yen, mais ce tombeau ne te protégera pas. Je t'ordonne de t'arrêter. Si tu fais demi-tour, ton intrusion te sera pardonnée. Il n'y aura pas de pardon pour Siwa. On va arriver, hein. Putain, c'est un vrai labyrinthe. Puisse ton père Kéops le justifier d'être favorable, puisse-t-il faire progresser parmi les aînés, puisse ton esprit lutter contre ton ennemi et puisse ton âme connaître les routes qui amènent au portail de celui qui abrite les défunts. Happy à tête de babouin. Doamutef à la tête de chacal, Amstet à la tête humaine, Kebesenouf le faucon, ce dont a besoin le rayonnement Kéops vêtu d'azur pour entrer dans la doua sera gardé par les quatre fils de Russe. Nephthys protège ses poumons, Neph son estomac, Isis garde son foie et Sekhmet son intestin. Charmant. Non,
pas rentrer là-dedans. Bon, faire demi-tour. Vérifie bien qu'il n'y ait pas de... Dommage. On y retourne. Là-haut. Roturier appelé Chedi Ro qui vit à Tchetnefrou, un roturier 110 ans, de 110 ans qui mange encore à ce jour 500 pains et une épaule de bœuf. Putain, 500 pains. Et boit 100 jarres de bière, ouais, là il va peut-être avoir un peu de mal. Il sait comment remettre en place une tête tranchée. Ah ouais, d'accord, ok. Il sait comment se faire survivre d'un lion, la laisse sur le sol, il connaît le nombre de chambres du sanctuaire. Le tot. Ouais. Puis d'emmener ses grands-parents à l'école aussi. Ok. Waouh. Je pense qu'on est sur la bonne voie. D'accord, c'était la porte, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on a là? Ah d'accord, ok. Ah, là, voilà, la tablette. De vieilles écritures de l'ancien royaume. Hé hé. Donc, le tombeau de Khéops, c'est là. Yes. Tablette ancienne. Richesse des anciens. Pardonne-moi, grand homme. J'ai besoin de ça. Récréateur, toi qui diriges les Manjet, tueur de serpents, Apep, porteur de moustache, gardien de l'arbre sacré Ishet qui a combattu sans relâche à Anu la nuit, où les ennemis de Nebercher ont été défaits, nous t'offrons ton fils Mikerinos enfin, afin qu'il puisse marcher à tes côtés.
au matos ici. Bien. Explorer par contre ici. Ouais, je tombe forcément là où j'étais tout à l'heure. Je me souviens pas avoir vu un chemin. C'est le truc principal. Alors, compliqué de prendre du recul pour aller là. Wow, il y a un sapin de Noël, il y en a partout. Merde, comme si. C'est par au-dessus qu'on pouvait y accéder. Alors je sais pas s'il y a une autre entrée. Yes. La tablette. Vieilles écritures de l'ancien royaume. Le campement où est retenu Onta. Les enfants ont tout donné à ces brigands. Alors les notes de Cortezeos devraient être ici. Des notes mis dans l'Onta. L'un des brigands doit se trouver au fond de leur repère. Ok. Peut pas le tuer d'ici. Dommage. De balle. Merde. Attention à pas foutre le feu. Voilà. Et. Oula. Non, ça j'ai cru que c'était un balèze. Ça c'est de la hache. Alors j'ai vu des flèches en tombant. Non, ça c'est l'aile. Un petit peu de sous. Attention. Oh.
sur lui. Finish him. Deddy Crane a besoin d'un nouveau vêtement. Mon beau-frère Sirou veut 3 outres de vin, le moins cher que tu pourras trouver. Il veut le boire sans le couper d'eau, mais c'est son affaire. Farouk a besoin d'une nouvelle chèvre. Je ne sais pas comment tu vas faire pour apporter tout ça, mais fais de ton mieux. Ta femme est morte. Par là. C'est gentil d'avoir mis des flèches un peu partout. Toi, Anta, leur protectrice. Tu sauras retrouver ton chemin. Allez, ma fille. Ça m'a vu, c'est pour remonter. Par contre, j'ai perdu le coffre. Alors, Anta, toi aussi, tu es une protectrice. Tu vas bientôt les revoir. Je te suis, Anta. Ah putain, sérieux, il en faut plus.
Je suis si lourd que ça? Non. Je suis un peu con là. Est-ce que ça va suffire? On va reprendre. Yes, ça tient. Waouh. Qu'est-ce qu'on a là? Nous nous sommes occupés des gardes comme convenu. Le troisième jour suivant la pleine lune, ils trouveront trois outres de vin pour se distraire un peu de temps. Ils seront trop ivres pour s'inquiéter de quoi que ce soit. Profitez-en pour entrer dans le tombeau. Fais ton travail et veille à ce qu'il soit livré à ma maison le lendemain. Souviens-toi du pouvoir dont je dispose et ne mentionne jamais mon nom, car à la moindre indiscrétion, ma position serait en danger. Waouh. Vieilles écritures de l'ancien royaume. Yes, tablette trouvée. Le roi des explorateurs. Point d'intérêt doré également. Des cercles de pierre. Tombeau. Alors dans notre aventure principale, on l'avait déjà découvert. Là, on va continuer. Joli ce tombeau. On peut voir des points d'intérêt par là. Scellé sur ordre du grand prêtre Baken Kosu. Tous ceux qui cherchent à empiller les richesses et en profaner le caractère sacré seront desséchés par les yeux brûlants du dieu soleil. Ça. Ah. Un petit tour dans l'eau. Terrible malédiction, tout homme qui prendra des offrandes de ce tombeau aura le cou tordu comme on le fait un oiseau. Son office n'existera pas, la position de son fils n'existera pas, sa maison n'existera pas, son dieu n'acceptera pas son pain blanc, sa chair appartiendra au feu, ses enfants appartiendront au feu. Je m'attaquerai à lui comme un crocodile dans l'eau, un serpent sur la terre, un ennemi dans la nécropole. Rien que ça. Ce qu'on cherche. De vieilles écritures de l'ancien royaume. Désert isolé. Par là.
tombeau doré. Trouver la tablette. Ah, c'est sympa ces histoires de reflets là. Intuitivement, je pense qu'il faut le mettre dessus. Ok. Impeccable, avec la torche, on a enlevé l'étoile d'araignée pour que ça ricoche. Alors, nous sommes les gardiens de Thoth, seigneur de la justice et de la vérité, le brillant. Nous suivons de bonne grâce notre prince Amos Ankh dans l'autre monde pour être témoin de son rayonnement. Nous sommes honorés d'avoir été choisis. Tout un tas d'offrandes. Je sens qu'il y a un autre lieu pas très loin. Soit c'est la... Je sais qu'il y a un autre lieu, il y a un point d'interrogation. Soit c'est la continuité quelque part. Tiens, qu'est-ce qu'on a là ? On va suivre le rayon. Lecture. Enfant de la lune, nous t'honorons, enfant de la lune, nous te pleurons, enfant de la lune, nous te suivons et entrant de bon cœur dans la douate. Marrant, j'ai l'impression que je reviens d'où j'étais. Ça c'est rigolo. Alors, est-ce que c'est moi qui ai fait un go back arrière sans m'en rendre compte? Ok, voilà. Effectivement. Oh là. On va foutre le feu. Pas mal. Ah, on dirait qu'on a trouvé la tablette. De vieilles écritures de l'ancien royaume. Et voilà. Tombeau doré, terminé, on gagne un point d'aptitude. Désert isolé. Alors, nouvel objectif, qu'est-ce qu'on a là-dedans ?
tombeau de Képren. Donc on est à Gizeh, hein, là où il y a toutes les pyramides. Alors on a déjà fait avant plusieurs tombeaux, on a fait celui de Khéops. De mémoire, c'était pendant une mission, où je m'étais gouré de entre guillemets d'endroits et j'étais tombé dessus, et on a également fait celui de Mykérinos. Ils sont quand même bienveillants, à chaque fois ils nous disent n'oubliez pas votre torche. Petit check histoire de récupérer un peu d'argent. Ô grand et glorieux Ptah, accepte cette offrande d'un taureau sacré et ne fais pas pleuvoir sur nous ta malédiction. Nous ne sommes que de simples hommes et nos familles mourraient de faim. Telle est la vérité et nous te demandons humblement pardon pour nos transgressions envers toi. Toujours regarder un peu partout. Alors, je vois pas de choses, même à travers les murs d'habitude on voit des choses en haut, en bas. Voilà. Retournant sur nos pas, on a un passage plus bas par rapport à là où on est venu. Cachez, ne sois pas en colère, nous les trouverons et les punirons. Ceux qui ont profané la chambre de ta couche ne reviendront pas les champs de roseaux. Ne rejoindront pas les champs de roseaux. Ah, c'est de l'autre côté en fait. D'accord. Ça, je voulais. C'est pas ce que je voulais faire. En tout cas, pas tout de suite. Quand même. Ah ouais, il y a des choses. On n'est pas assez riche pour passer à côté de quelques pièces. Le lac de feu engloutira nos ennemis, grand conquérant, spoliateur, seigneur des mers de sang, puisses-tu lever les bras contre ceux qui s'opposent à toi dans l'autre monde. D'accord, à mon avis, on va utiliser le bateau comme tremplin. Ok, là ça peut pas basculer. Ah oh, putain, quel nul. Voilà. Ah, là, je suis vraiment nul. Peut-être ranger ça. Voilà. J'ai pas fait attention si les petits trucs jaunes ça se revend ou si on va en avoir besoin.
Ah ah, là voilà. L'objet à vendre, on va démanteler. Et voilà. Attention, emmerdé. De vieilles écritures de l'ancien royaume. Et voilà. Tombeau terminé et un point d'aptitude. Verrouillé. À faire comme tout à l'heure, ce sera la sortie. Désert noir. Tombeau. Que la pire malédiction s'abatte sur vous, que ceci soit vu de tous ceux qui voudraient troubler le lieu de repos de Tephibi III. Prenez-lui des offrandes, profanez les honneurs qui n'appartiennent qu'à lui, et vous serez consumés dans la fournaise de ses rites d'exécration. Les frères se déchireront entre eux, les amis se trahiront mutuellement, tous mourront en ennemis, et vos corps resteront, pourriront et dépériront jusqu'à ce que vos os se transforment en poussière. Vous qui entrez ici, sachez que nul n'en sortira dans cette vie comme dans la suivante. Ça c'est super important. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure en fait. Ça va nous servir pour débloquer l'un des mécanismes. Alors, en cas où mes pires craintes, je déteste cet endroit. La nuit, j'entends des murmures dans les murs et le jour, les ombres semblent se déplacer sans raison. J'aimerais partir, mais Kesset veut s'approprier toujours plus de trésors des tombeaux pour les mettre dans le sien. Je sais qu'il ne verra pas le sien, mais ces murmures de l'autre monde m'envahissent l'esprit. Quand Kesset aura fini de chercher, il n'aura plus besoin de moi. Et qu'est-ce qui se passera? Alors je devrais prendre ce qui m'appartient, le prendre, tout prendre. Oui, donc il y a des mécanismes anciens à déverrouiller, donc j'en ai déjà déverrouillé un. J'ai pas eu de soucis. Par contre, le dernier qui se trouve au niveau du sphinx, qui était bloqué par une... Enfin, il y a un trou qui s'est ouvert, alors c'est peut-être quand J'ai activé tous les cercles de pierre, que ça s'est déverrouillé. Je suis descendu à l'intérieur et par contre j'ai pas pu déverrouiller le mécanisme parce qu'il me fallait 50 pierres de silice et pour l'instant j'en ai que 34. Donc tout ce que je trouve est très très utile. C'est juste un truc fermé. Ouais. Ah, encore une fois. Bouge pas. Des choses
chose ici. Par contre, je sais pas s'ils en ont mis pile poil le nombre, ou s'ils en ont mis un tout petit peu plus, histoire qu'on puisse passer à côté de certaines, mais moi par défaut, je vais essayer de rien laisser derrière. Ça a l'air d'être au-dessus après. Il y a tout l'autre côté aussi à checker. On va déjà faire celui-là. Vieilles écritures de l'ancien royaume. Des armoires. Ah, un petit gros. Putain, il a pas l'air commode, non? Qu'il aime pas le feu, hein. Tombeau de Svenkar. Là, on est tout en bas à droite de la map, dans la région de Nome d'Aoeris. Vous pouvez spotter ici pour atterrir et en faisant tout le tour, une petite zone qui descend. Et on va chercher une tablette. Comme d'habitude, si on trouve de la silice, il est extrêmement important de la ramasser. Nous t'honorons, Méritalon, consort du roi de Haute et Basse Égypte, seigneur des deux royaumes. Ah, je vais pas les dire parce que c'est que des noms à la con. Et notre reine dans cette vie. Et à la prochaine. Enfin, j'ai rien contre ces noms, hein. C'est juste qu'ils sont très difficilement citables quand on n'a pas l'habitude. On continue. Pour faire un petit tour en dessous, mais on va déjà aller voir ce qui se passe en face. Ça a pas l'air d'être de l'eau, hein. On va pas faire le saut de la foi. Vas-y. On va attendre que ça se... La vue s'éclaircisse.
côté du mur. Ok, ça sera par là. Ici on check, y a rien. Donc c'est bon, on peut y aller. Zone est vaste, hein. Un petit peu d'air. Ok, ici on sait qu'il y a un passage. On va revenir sur nos pas et on va prendre à droite. Voilà. Encore des choses. Voilà, très important. Ah non, du graphite. J'aurais juré que c'était de silice. Est-ce qu'on a tout pris ? Sûr que par là. Compliqué hein, de pas louper quelque chose avec la visibilité qui est pas facile. Reviens. Putain, encore un casse-pied. Hein. On dirait qu'il n'y a rien, comme si on était déjà venu, mais au moins que ça fasse un ça fasse un arc de cercle en fait. On pouvait y accéder des deux côtés. Non. On va faire la bascule. Deuxième jour. Je suis incapable de dormir, incapable de manger. Il n'y a que ceux qui étaient là avant. J'ai emmené mes hommes et nous ne reviendrons pas. Les peintures ne seront jamais terminées. Les inscriptions jamais écrites, car rien ne pourra nous pousser à revenir dans cet endroit oublié des dieux. Oh là là, il y a des chemins partout. Mais là, c'est un cul-de-sac. C'est pour la bascule. Parti. Il faut que je reste un petit peu plus longtemps dessus. Voilà. Noël. Ah, c'est qu'il y a à l'intérieur des gardes. Ça va bien se passer, messieurs.
Voilà, c'est le nombre de Cameron que je lui dise. Une... Ah il avait un troisième déposé. Désolé. Comme d'hab, on va faire la rasure. Très important ça. Troisième jour de Meshir. Aujourd'hui, nous avons trouvé quelque chose en creusant plus profondément. Je suis incapable de le décrire, car lorsque j'essaie d'y penser, mon esprit se remplit de rêves et de notions que je ne comprends pas. Mais il paraît évident que ce n'est pas par hasard que Shmenkar a choisi cet endroit pour son dernier repos. On a fait le tour. De vieilles écritures de l'ancien royaume. Et voilà. Tombeau terminé. Dans la région de nommée Tau Eris. Ça paraît bien abandonné ce coin-là. Encore des systèmes de miroir. Alors, tablette ancienne, tombeau, c'est Anat. Alors là, fallait être courageux hein, pour y aller. C'est tout au bas de la map, le désert desserré. Donc, un tombeau. Il y a une tablette ancienne, je pense pas loin là. Je vois que ça se reflète, mais ça s'arrête là-bas. Bien à voir. Non. Le... Son CRS n'est le max. Ok. Ensuite... Matos. Essayer de pas se tuer hein. Pas l'impression que je peux descendre. Si, ouais, c'est bon. Allez oser. Ah putain, un serpent. Au pire, s'il y a le feu. Même si je suis un petit peu immunisé contre le feu. Nice, en plus. Il ne manque plus beaucoup, hein. Sachant que je vais quand même en utiliser dans le dernier système. On n'a pas de trop pour l'instant. Ça se récupère. On remet ça.
falloir dépoussiérer tout ça. Voilà, j'ai mes 50, tout le reste ça sera pour activer le dernier. Il m'en faut au moins 5, si je compte bien après. Je le rappelle, hein, les tablettes anciennes, 5 unités pour déverrouiller les simples, 50 pour la dernière. En tout cas, à ce stade du jeu, c'est ce que j'ai compris. Putain, il y a des écrits partout. Comment j'accède là? Est-ce que je peux? Ah non, ce serait trop beau. Pas grimper. Là, tout connement. Effectivement, tout bêtement. Là. Dépoussiérer. Alors, problème, je vais peut-être faire quelque chose que vous n'allez pas pouvoir faire si vous ne l'avez pas déverrouillé. Les outils, les bombes incendiaires. Sinon, comment faire? Pas l'impression que j'ai essayé de sauter, je me suis cassé la gueule plus bas. Tirer des flèches, ça a pas eu l'air de fonctionner. Alors, il faudra revenir hein, parce que là ici, là où c'est un petit peu sombre, il y a un passage. Je pense que c'est le mécanisme ancien. J'avais demandé ce qu'il m'en donne un peu. Ah bah là. La tablette ici. On va pousser un petit peu. Dire il fait sombre, mais ouais, mais. Eh, gros malin que je suis. Si j'ai pas ma torche. Waouh.
Ah putain, le serpent. Ils sont morts. Non. Pas tous. On peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres serpents. Ouais. Voilà. Quelle violence. Ils aiment pas le feu hein, généralement. Ok. Petit dernier. Putain, c'est pareil, j'en ai loupé un à côté. Non mais. Mirror Boy. Serpents, ils m'ont perturbé. Est-ce qu'il nous reste des choses? Non, là, c'est le reste de la structure. Pouvoir. Aller voir le tombeau. Sa tablette. De vieilles écritures de l'ancien royaume. Et là pour le tombeau. Alors, cette fois-ci, on est parti à Nome de Saqqara, près d'une pyramide, et on a également un point d'interrogation doré, et on va voir ce qu'on va y trouver. Alors, tombeau de Djeser. Afin que nous n'ayons plus jamais à souffrir des inondations qui ont apporté la famine, le marchand à nous a placé ici des sacs de grains. Ils permettent de préparer 100 pains de 20 pepsous ou 10 jarres de 4 pepsous de bière, de malt et d'ate. Il est drôlement gentil lui. Ah, ça je pense que c'est par là qu'on va sortir tout à l'heure. C'est ce qu'on vient de lire. C'est bloqué, donc il n'y a plus qu'ici. Waouh, il y a du point d'intérêt. On continue notre descente. Ah, petit passage. Faut pas être gros. Qu'est-ce qu'on a là? Merde, il y a un autre passage. Ah, je suis intrigué là. C'est bloqué. Ok. Coffre. Peut-être pas passer entre.
serais dans Wolfenstein, j'utiliserais mon canon qui désintègre tout. Mais bon. Pas que je me cours de jeu. Ok. Mais visiblement, ils en ont prévu plus que prévu, c'est bien. Imhotep, celui qui vient en paix, chancelier du roi d'Égypte, premier dans l'ordre après le roi de la Haute Égypte, administrateur du Grand Palais, notre héréditaire grand prêtre d'Héliopolis, bâtisseur charpentier en chef, sculpteur en chef et fabricant en chef des vases, honoré dans la mort comme dans la vie. Je m'en doutais, ça, qu'il y avait un serpent qu'il fallait casser pour y avoir accès. Ah, bon, merde. Quoi ce bordel? Parcelle passage. Ah putain, un serpent. Je supporte pas les serpents. Putain, il y a des passages de partout. Des faux passages en tout cas. Yes, putain, la vache est... elle est savamment cachée, hein. Il y a des accès partout. Alors ensuite, Sa Majesté Khéops, roi de Haute et Basse Égypte, a dit qu'une offrande de 1000 pains, 100 jarres, 100 bières, bœuf, machin, moins, roi des Hautes, Basse Égypte, qui est justifiée, et que soit remis un gâteau, une cruche de bière, une grande portion de viande et une balle d'encens au prêtre lecteur en chef, car j'ai un témoin de son savoir. Oh là là, les richesses là-dedans. Là, notre tablette. De vieilles écritures de l'ancien royaume. Et un point en plus pour nos aptitudes. Une tempête de sable qui est en train de m'arriver dessus. D'aller à mon objectif avant que ça me mette dans la mélasse, que je vois plus rien. C'est plutôt bien fait quand même, parce que ça arrive petit à petit, c'est progressif, c'est... Ah. Nouveau tombeau. Avec mon épée enflammée, j'ai bien réussi à me cramer la gueule. Ouais, j'ai un bon réflexe de me tirer. Ah, il y a des tigres en bas. Petit morceau, nickel. Les copains. Désolé. Très chère mère, le voyage a été périlleux, mais nous sommes arrivés. Le sommet est devenu sauvage. La nuit, on entend hurler des chiens sauvages. Un jour, un lion nous a suivis jusqu'à ce qu'il bat la chasse avec un bâton, mais aujourd'hui nous pouvons réellement commencer à faire honneur à notre professeur. Nous n'avons besoin que d'une compagnie agréable et de discussions animées, et lorsqu'elles viennent à manquer, nous avons une outre de vin. Rien ne peut étouffer ma passion, car nous sommes à l'aube de quelque chose qui nous survivra tous. Ton fils qui t'aime, Pécho. C'est marrant ça comme nom. Très certainement mal prononcé.
faut que je parte. Le voyait. Est-ce que je l'ai déjà lu? Je fais un tour sur moi-même. Juste par ici. Le tour. C'est où? Pas de trace de la tempête. Est-ce qu'il peut mettre le feu à ça? Yes. Il semblait hein, que je l'avais déjà fait dans une autre mission, mais j'étais plus sûr. Passage par là. Ah, non. On va peut-être changer d'arme là. Parce que... S'il est niveau 17, on va prendre des risques. Les enseignements cyniques de Diodorus. Voici les enseignements. L'endémonie ne s'atteint qu'en vivant en équilibre avec la nature et en impliquant des pratiques esthétiques. Ne te place pas au-dessus des autres car l'arrogance, les fausses valeurs et les émotions négatives aboutissent au caractère le plus odieux. Il n'existe aucune valeur dans la richesse matérielle, la renommée ou le pouvoir. Le sage ne les cherche pas. Affiche les nomos de la société. Tu pourras ainsi défier les coutumes sociales considérées comme nues. Notre bien-aimé professeur Diodorus, un homme sage et âme qui a vécu selon la nature, après s'être libéré des entraves du matérialisme, il s'est tragiquement libéré aussi de la vie. Mais il faut pas être trop extrême non plus. Sa philosophie survivra en nous, car nous sommes devenus les chiens sauvages. Nous a offert le plus grand cadeau qui soit, des esprits ouverts et des cœurs pleins. Voilà notre tablette. Alors je sais pas combien il y en a hein, des tombeaux. Pour l'instant il y en a de l'ancien royaume. Donc on en fait la chasse. En plus, ça fait des points d'aptitude donc. Nickel. Donc là, on était à nommer Douab. Alors, toujours à la recherche de nos points spéciaux, on va à nommer des Sakara. Je crois qu'on y a déjà été. Là, dans une pyramide. Je pense que ça va être encore un tombeau. Il y a 99% de chances que ce soit. Donc je pense qu'il y en a de moins en moins. Enfin, je commence à faire le tour de la map et j'en vois plus beaucoup. Donc encore une fois, le but de trouver la tablette, récupérer un max de petits objets jaunes brillants, même si on a nos 50. Je rappelle qu'il y a des entrées cachées. Ma très chère, cette lune a été très étrange. Bubby est venu il y a quelques jours en déclarant qu'il fallait travailler plus vite car le roi se faisait chaque jour plus faible. Je lui ai répondu qu'il suffisait de me donner 10 000 âmes de plus pour que ce soit fait en un jour.
Nous avons bu et ri ce soir-là, mais la tristesse a accompagné Bubby. Quand il est revenu de Thèbes, une fois encore, il m'a dit que le roi ne pouvait plus attendre et que son grand édifice soit achevé. Quel trésor gâché, mais au moins, nous rêverons plus tôt que prévu. Hop. Oh merde, moi je pensais que c'était le chemin qui était là, mais visiblement c'était qu'un endroit caché. D'accord, c'est ici. Hop. C'est quoi, c'est de l'eau ça? Parce qu'il veut pas y aller. Il y a toujours des trucs intéressants dans les endroits où on veut pas qu'on aille. Ah, là, visiblement, on veut vraiment pas qu'on y aille. C'est vrai, je peux prendre une torche même dans l'eau. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Ah non, je croyais que. Finalement. Mais il fait vraiment, là, je vois vraiment que dalle. Je suis toujours dans l'eau. Calvaire, hein, ces phases où il fait sombre. Sortie d'eau en plus. On est reparti, on était. Est-ce qu'il y a un passage en hauteur? Un peu de mal à. Non. Un peu de gymnastique. Putain, ils ont tout mixé là dans celle-là. Des objets à bouger, des poids, des points bascule. On sautille, ça c'est bien. M'accrocher à celui-là. Ok. Magnifique. Finalement, les poids, il n'y en avait pas besoin. C'était à la fois un leurre et une aide pour nous dire qu'il fallait bien utiliser un système de poids, mais bon, là, c'est la même chose. Cadeau. Je sais plus combien il en faut, si c'est 3 ou 4, on va pas prendre de risque. Tac. Le coup avant 3 ans, nous aurons construit plus de la moitié de ce grand édifice, la bande des artisans. Noël,
niveau bizarre. De vieilles écritures de l'ancien royaume. Et un tombeau de plus, c'est attractif. Tombeau de... C'est fou. Snefru, pardon. Région de Saqqara. On continue à la recherche des tombeaux perdus. Visiblement, on a quelque chose. Tombeau d'Amenamat numéro 3. Il est ici, on est à nommer Daoueris. On en avait déjà trouvé un pas très loin. Qui était ici. Et c'est juste à côté d'une pyramide. Alors au moment où je fais ce tombeau, j'ai déjà déverrouillé le dernier mécanisme ancien qui nécessitait 50 morceaux de silice. Donc entre guillemets j'en ai plus spécialement besoin, mais ça prouve qu'il y en a largement ce qu'il faut pour déverrouiller le système, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est vaste, hein. On va pas aller tout de suite là-dedans. Prends garde, voyageur inconscient, si tu brises le sceau, les sables du temps t'engloutiront. Ouais, d'accord, en gros, dès que je vais faire quelque chose, ça va me tomber sur la gueule. Allez, le coup là. Vers quelque chose, mais pas complètement. Revenir en arrière. Ah. Non, ça remue. Ok. Ah putain, les cons. On va essayer de faire un truc rigolo. Ah non les gars, vous êtes sortis, putain. Ah, ils sont pas marrants. Bah tant pis. J'ai
j'étais un peu lent. Je suis désolé, on voit pas grand chose. Mettre un peu de lumière. Pas que couillon, il veut pas se foutre le feu aux pattes. Mais j'ai besoin de voir ce qui se passe. C'est fermé. Il y en a pas. Un passage. Est-ce que c'est pas de là d'où on vient? Pas avoir fait le tour. Ouais. C'est l'endroit que j'ai pas visité, c'est l'eau. Nice. On reste de rencontrer des copains. Ouais, non, il n'y a pas de passage là. Et là voilà. De vieilles écritures de l'ancien royaume. Mission accomplie.